Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau numéro du Cinéma Club consacré au cinéma australien. Alors, le cinéma australien, si vous ne connaissez pas, mais je suis sûr que vous l'avez déjà croisé au moins une fois de temps en temps, alors c'est à l'encontre des Crocodiles Dundee avec Paul Hogan, en passant par Mad Max avec Mel Gibson. Et ce coup-ci, on va parler justement du cinéma australien. Donc, c'est parti! Alors, le cinéma australien, à la star de ses voisins, qu'ils soient américains, européens ou asiatiques, c'est vraiment le cinéma à part. On a vraiment tout eu. Mais vraiment tout eu! Et je vais vous citer quand même quelques exemplaires. Il est né au pays des kangourous, où un homme, un vrai, marche sur ses deux pieds, parle avec ses poings et se sert de sa tête comme il peut. Ah, merde! Deux bières, Ida. Une pour moi, une pour mon pote. Ah, ce Mick Dundee, lui au moins c'est un mec, lui. Oui, un vrai. Et bien évidemment, je peux bien sûr vous parler bien sûr de d'autres films australiens que tout le monde a certainement croisé, même si vous ne voulez pas croiser, c'est pas grave, je vais quand même vous le présenter. Bien sûr, je peux vous citer bien sûr un autre film, notamment Razorback. Alors franchement, ce film, c'est vraiment du cinéma d'horreur B, mais vraiment, mais assez badass, assez bien hard. Donc je vais quand même vous expliquer le scénario. C'est l'histoire d'un T'as sanglier mastoc qui visiblement a très mauvais caractère. Une femme est morte. Je croyais que vous pourriez savoir ce qui lui est arrivé. Il est revenu. Et de qui tu parles? D'un vieil ami. Mais ce pays cache quelque chose. Quelque chose qui vit. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Dieu l'a créé. L'enfer lui a donné son nom. Mel Shadow! Razorback. Sans déconner, le sanglier qui est présent dans ce film, et je le trouve badass. Alors, bien évidemment, je peux bien sûr vous parler de certains films très connus, enfin de films australiens très connus, notamment Priscilla, folle du désert, ou l'histoire de trois types qui se travestissent, qui se baladent dans les alentours du désert australien. Bon, franchement, c'est un petit peu kitsch, limite gay, mais bon, franchement, il est assez agréable à regarder, je dois dire. Sinon, je bien sûr, je peux vous parler d'autres films notamment Australia avec, comme je vais vous dire, Hugh Jackman, le célèbre Wolverine dans les X-Men, ou encore avec Nicole Kidman. Franchement, le film, je l'ai pas vu, mais franchement, il est vraiment assez sympa à regarder. Franchement, il est sympa, c'est romantique. Bien évidemment, je peux bien sûr vous parler de d'autres films australiens très connus, notamment le Babe, le cochon qui veut devenir berger. Je peux bien sûr vous parler, bien sûr, d'un autre film biopic consacré à de Nick Kelly, qui est un bandit australien qui a vraiment existé d'ailleurs, et dont la carrière ne manque vraiment pas de sel. Ou sinon, je peux bien sûr vous parler d'un film fantastique qui est bien sûr le. Ah oui, Les voitures ont mangé Paris. Alors c'est un film de fantastique de Peter Weir. Alors d'après ce que j'ai vu, ça parle d'un mec qui est piégé dans enfin, qui se trouve coincé dans une ville et qui se fait tarauder par des véhicules assez badass. Bref, à voir et à revoir avec plaisir s'il le faut. Ou sinon, je peux bien sûr vous parler de d'autres films plus ou moins connus, notamment The Tracker ou encore Jeddah. Mais bien évidemment, c'est pas ça que vous voulez. Quand on parle de cinéma australien, c'est bien sûr Mad Max. D'ailleurs, puisqu'on parle de Mad Max, je vais vous présenter mes DVD de mes 4 films de Mad Max préférés. D'ailleurs, je vais vous présenter. Attendez ici. Alors, où est-ce que j'ai bien pu mettre la Sega Mad Max? Nanana, ah, la voilà. Alors, voilà. Et voilà les deux autres. Voilà. Alors, voici donc mes films de Mad Max, qui je vous rappelle sont une saga australienne de George Miller. Alors, nous avons
Mad Max 1, Mad Max 2, ou Mad Max 2 le défi, ça dépend comment on l'appelle, Mad Max 3 ou Mad Max au-delà du demi-tonnerre, et le dernier, Mad Max Fury Road. Alors, c'est pas seulement une saga à grand succès. Là où ça devient intéressant, parce que Mad Max, c'est avant tout une... c'est pas vraiment qu'une saga, c'est vraiment une franchise qui a vraiment révolutionné le film entre le road movie avec sous le thème du post-apocalyptique. Alors, puisque les films Mad Max vous intéressent, je vais vous présenter la fameuse scène où Mad Max poursuit un mec en voiture. Oh là là, hey Michael, tu pourrais pas ranger tes affaires? Sérieux? Alors bien évidemment, je peux vous bien sûr vous parler de Mad Max 2, le défi. Alors franchement, à l'instar du premier, le deuxième est vraiment un pur chef-d'œuvre. Quand on dit Mad Max, je veux bien sûr bien entendu parler de la bagnole auquel Mad Max pilote. C'est bien sûr la Ford Falcon Interceptor. Alors franchement, cette bagnole, je la trouve vraiment mais badass. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous prendre une petite photo au hasard. Voilà, on va prendre celle-là. Regardez-moi ce bijou. Eh, franchement, pour une bagnole de film, je la trouve badass. Voici Mad Max 2, le défi. Voilà, donc c'était une scène du film Mad Max 2, qui, alors je vous conseille vraiment de le regarder. Alors, puisqu'on va maintenant, après le 2, maintenant on va s'y venir le 3. Alors ce film, franchement, alors très sincèrement, alors le film est bien, enfin en fait il est un peu moins bien, il y a moins de, contrairement aux deux précédents, il y a moins de cascades, il y a moins de courses-poursuites, mais bon, il est quand même, il est assez sympa à regarder, surtout qu'il est, surtout que ce film est vraiment sauvé d'un avec l'apparition de Tina Turner qui joue dedans et qui chante la bande-son du film. Alors juste avant de nous quitter, je vais quand même vous présenter, comment dirais-je, Mad Max Fury Road, qui franchement, ça aussi franchement il est bon, pas mal franchement, c'est hormis les trois, c'est celui-là que je préfère. D'ailleurs je l'ai déjà d'ailleurs c'était il y a très longtemps déjà, c'est au cours de la fois où je commençais à faire mes premiers vidéos sur YouTube, et j'avais vu le film et j'avais dit que c'était une bombe, et là je dis et je redis, ce film est une bombe, je vous conseille de le regarder et de le regarder seul ou en famille, ça dépend. Et en plus, je dis pas ça, mais franchement, Mad Max est surtout connu pour des véhicules totalement, mais badass. Regardez-moi les images de ces véhicules. Franchement, ils sont tous aussi ces véhicules sont tous aussi stylés les uns que les autres. Ah ouais, quand même, hein. Eh ben, j'ai hâte de voir le prochain salon de l'auto, moi. Eh ben, putain, ce film est percutant. Alors, juste avant de nous quitter, j'ai vu dernièrement qu'il y aura un prochain Mad Max qui sortira en 2000... Alors, c'est soit en 2018, soit en 2019, je sais pas, j'ai pas encore tous les détails, mais à ce qui paraît, il sortira bientôt, ça s'appelle Mad Max The Vats Land. Alors, je sais pas exactement dans quel, si il sera sorti soit en 2018 ou en 2019, je sais pas du tout. Peu importe, quoi qu'il en soit, tôt ou tard, il sortira. Et j'espère qu'il sera aussi bien que Mad Max Fury Road, ainsi que les précédents. Voilà donc les gens, c'est la fin donc de notre vidéo critique consacrée au cinéma australien. Et je propose qu'on laisse le mot de la fin à notre ami Mad Max, le guerrier de la route.